Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous réveille ce matin avec un dossier sale, noir et bizarre. Je suis vraiment désolé, hein. Et je m'excuse encore auprès de ces enfants qui m'ont contacté il y a de cela quelques jours, mais j'ai négligé le dossier. Je me disais, c'était la blague. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ouvre Facebook, je me rends compte qu'ils étaient invités à une émission sans filtre de Robinson Pifo, où ils expliquaient réellement ce qu'ils m'ont contacté pour me faire part. J'ai dit, hey, donc la fessie était vraie. J'ai donc décidé aujourd'hui vous faire part de ce problème qui mine notre jeunesse. Vraiment très triste et regrettable. Je vous invite à écouter d'abord quelques voix. Je vous reviens juste après. Ok. Oui, Mimbaye, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est Sylvine Guena. Je te fais ce voice pour te faire part des bases de mon label. Parce que s'il est bien vrai, devenir comédien, c'est très facile. Mais respecter les bases et les fondements d'un label, c'est encore mieux. Et comme tu sais, il va falloir que tu éjacules dans la bouche du chat qui se trouve dans mon sexe. Et tu dois laver les mains dans le canari. Dans le canari, comme tous les autres acteurs. Et pour finir, aucun acteur n'a le droit de draguer une fille sur mon plateau de tournage. Et aucune fille n'a le droit d'accepter un acteur sur mon plateau de tournage. Faute de quoi, vous serez renvoyé. Je ne vous supplie même pas. Donc les conditions que je vous donne là sont des conditions, incontestées et incontestables. J'espère que tu as compris. Donc si ça ne t'arrange pas, tu fiches le camp de mon label. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Pause publicitaire. Je vous conseille l'entreprise PTS, Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur l'affiche, là sont les différents pays. Donc si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'il t'accompagne dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, hein, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste leur site là pour avoir plus d'informations. Ok. Vous avez compris, je vais plus revenir pour ce voice. Je vous rappelle que j'ai coupé uniquement les parties essentielles du voice. Alors, demain, quand vous allez voir RIP sur les photos de ces jeunes, on va vous parler du poison. Dernièrement, il faisait une vidéo pour vous dire pourquoi le poison la prend que les jeunes. Vous comprenez comment on trompe les jeunes? Voilà comment on trompe les jeunes. Vraiment, c'est triste. C'est très triste. Alors, ces jeunes font partie du label de Hossein Guena, voilà, comme vous avez suivi. C'est une dame qui les conditionne que pour jouer dans son label, apparemment elle a un chat dans son gésier, il faut niaiser avec elle et il faut jouer dans la bouche du chat. Hey! Maman Sarah! Donc, le duo est comme ça. Hey! Ce qui est marrant, comme vous lisez là, comme les petits là m'ont contacté, voilà tous les tests, tout ce qu'ils m'ont expliqué là. C'est vrai que la dame les contacte. La dame les envoie ce voice et les conditionne que tu vas faire ce que je te demande. Si tu ne veux pas faire ça, basta. Ce qui est pire dans cette histoire, c'est que ces enfants ont refusé de faire ça. Elle a inventé une histoire et les a porté plainte. Ils sont même allés au commissariat, selon ce que ces enfants m'expliquaient. Sauf qu'au commissariat, la dame dit, je ne veux pas vous enfermer, mais je veux que vous acceptiez ce que je vous propose et que ça reste entre nous. Les enfants sont confus. Les enfants ne savent plus où aller.
Les enfants ne savent même plus sur quel pied danser. Ils marchent même comme ça, ils ne savent plus comment leur vie, où leur vie appartient, même à qui. Ils sont dépassés. Et ça, c'est une histoire où j'interpelle tous les influenceurs, franchement, qui luttent pour l'injustice, pour ce genre de choses, vraiment d'exposer des trucs bizarres comme ça. C'est anormal. Dans une société, dans un pays où les jeunes se débrouillent, les gens se battent, les jeunes se battent pour réussir. Et voilà comment on les noie, on les trompe, on les fait croire que pour réussir, pour devenir quelqu'un, pour devenir comme Franco, il faut laver les mains dans les canaries. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut éjaculer dans la bouche d'un chat. Franchement. Franchement. À un moment donné, on se pose la question. Le monde devient quoi? Bon, moi particulièrement, je n'ai aucun problème avec cette dame. En toute honnêteté, parce que rien ne me surprend dans cette histoire du showbiz. Le showbiz est comme ça. Et ça ne doit surprendre personne. Maintenant, ma préoccupation c'est au niveau où elle met pression sur ces enfants qui ont refusé que nous, on ne veut pas ça. Elle dit que, ok, comme vous êtes déjà au courant, je ne vais pas vous laisser tranquille. Parce qu'un matin, vous pouvez seulement voir rire sur les photos de ces enfants. Il ne faudrait pas que ça surprenne quelqu'un. Pourquoi les conditionner? Laisse-les tout simplement. Propose ça aux autres. S'ils ont refusé, certainement d'autres vont accepter. C'est bien sûr, d'autres ont même déjà accepté. Évolue avec ceux qui ont accepté, puisque rien, je dis encore, rien ne nous surprend dans cette histoire. Rien ne nous surprend dans ça. C'est ça. C'est évidemment ce que j'explique aux jeunes chaque jour. Voilà le showbiz. Voilà le showbiz. On va venir demain insulter Franco de villageois. Franco de ceci. Franco de cela. Tu ne sais même pas t'habiller. J'ai fait les vidéos, ça j'oublie même de me boutonner. Oui. Vaudrait mieux rester encore villageois que d'accepter ces choses-là, les jeunes. Ça doit vous faire réfléchir. Qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez réussir sans laver les mains dans ces canaries-là. Vous pouvez réussir. Continuez à travailler. Jeunes frères, j'espère que vous m'écoutez. Travaillez et attendez le moment de Dieu. Ne courez pas. Ne soyez pas pressés. Hein? Oui, ne soyez pas pressés. Ne courez pas. On va toujours vous faire croire que... D'autres viennent m'insulter que tu as combien d'abonnés? Toi, tu as commencé à tel moment. Voilà tel qui a déjà tel nombre d'abonnés. Et c'est comme ça qu'on vous trompe, les amis. C'est comme ça qu'on vous trompe. Apprenez à aller tout doucement. Allez tout doucement. Moi, je vous dis une réalité. Un fait. Ces choses qu'on vous dit là, vous êtes sûr qu'on ne m'a pas proposé ça? Je vous dis que vous pouvez réussir. Travaillez dur. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Et priez. Croyez à l'Éternel. Travaillez avec la crainte. Rien. Je dis rien. Qu'on ne vous trompe pas. Rien. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pensez que... Et ce qui me marrant, c'est que quand je pars regarder même leurs histoires des films qu'ils expliquent là. Vraiment. Je suis allé sur sa page. Je regarde même les films même qu'on conduit. Tous ces enfants même. Vous tournez même. Je ne vois pas. Je ne vois même pas. Voilà dans notre jeunesse. Voilà dans notre société. Tous les jours qu'on les parle. Quand je les explique que non. Quand je fais des vidéos pour les sensibiliser, ils m'insultent. Ils me traitent de villageois. Ils me traitent de ceci, de cela. Voilà. Demain, on va accuser le poison. Hein? Mais quand ils acceptent des choses comme ça, personne n'est avec eux. Personne n'est là. Dès que ça va cuire demain, on va dire poison. Voilà les réalités de notre société. Chers jeunes, faites gaffe. Faites très attention. Évitez la concurrence. Évitez la concurrence. Travaillez dur. Croyez en vous. Le reste viendra. C'était Franco. C'était le général Franco. Si tu es nouveau sur la page, sur la chaîne, abonne-toi. Partage cette vidéo. Pour que les jeunes découvrent vraiment le côté mystique du showbiz. Et ils doivent comprendre
qu'il ne faut pas courir dans ce couloir-là. Sauf si ceux qui veulent arriver sans travailler, croyez en vous, chers jeunes, travaillez dur, le reste va venir seul. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.